Ok, comme ça. Correspondant avec ça. C'était la Brolion, tant que je m'en souvienne. On voulait pas bosser pour qu'on nous retienne. Il lui fallait derrière. Je suis pro de golf maintenant depuis 23 ans. Il y a 8 ans, quand j'ai arrivé en France, je ne parlais pas du tout la langue française. Et j'ai découvert un jour un style d'enseignement qui est très très spécial. J'ai tombé par terre, j'ai pleuré. Je me suis fait la promesse ce jour-là, je vais donner à tout le monde. Et quand j'ai fait la traduction de tout le monde, pour moi, tout le monde, c'est tout le monde. Le geste naturel plutôt que le geste technique. On est tous basés sur les opposés. Je vais gauche-droite, je vais au bas, je vais... on est tous basés sur les opposés. Et l'opposé de la technique, c'est la nature. Quand tu lèves le matin, tu fais pas... Bon, oh merde, il faut que j'aille à l'école. Pied gauche, pied droite. Non, tu penses pas, j'espère. Tu marches sans réfléchir, c'est vrai? Par contre, la position des mains sur le grip, la position des mains sur le club, ça, alors là, ça, c'est important. C'est comme ça? Si on partage un petit discours pendant combien de temps? 5 minutes? Tout de suite, on y va dehors et on va jouer au golf. Dès que je laisse le club faire le travail pour moi, regarde qu'est-ce qui se passe maintenant avec ma balle. Je ne triche pas. Et je termine 7 secondes plus tard. Regarde bien la distance. Oui. Là, on leur fait toucher une balle, et encore une fois, avec une méthode qui est plus adaptée, puisque ça marche en moins de 3 heures, c'est ça aussi un petit peu la magie du truc. Et cette balle qui vole pendant 7-8 secondes en l'air, c'est déjà assez impressionnant. Et en plus, elle vole jusqu'à 150, 170, 180, 200, 250 parfois. Ça veut dire qu'ils ont un champ de vision maintenant qui est beaucoup plus lointain. Ils arrivent à s'extérioriser, à s'exprimer différemment et à voir peut-être les choses pour l'avenir un petit peu différentes que s'ils sont toujours coincés devant un écran de télévision ou devant un écran de jeu vidéo ou devant un mur ou devant un mur tout simplement, parce que quand on voit la vie qu'ils ont dans les quartiers, on comprend pourquoi ils ne voient pas beaucoup d'espoir pour leur avenir. Quand je joue là, je fais des progrès. Je fais tout à l'heure quand j'étais en train de jouer, je suis venu nouveau. Je sais pas comment j'ai fait, mais je tenais un peu bizarrement le truc avec mes mains comme ça. Je savais pas. Je croyais qu'on tenait comme ça dès le début comme ça. Et hop. Mais sinon, on doit tenir comme ça bien difficilement. Et on tire la balle. Donc ça va mieux là pour toi? Pour moi là, ça va mieux. Tout va bien quoi. Là, je me suis un peu habitué. Et là, je compte y venir demain. Là, c'est super. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans la voiture quand on conduit? La direction assistée, évidemment. C'est-à-dire qu'on a moins besoin de serrer le volant. Mais c'est pareil avec les clubs de golf. Exact. Avec les anciens clubs, on devrait serrer très très fort. Je pensais qu'avec les vieux et les bourgeois, je savais pas. C'est juste l'année dernière j'ai appris. Regarde. Après j'ai aimé. Ah bah ça plaît. Franchement c'est super. Hein. Pourquoi? Ah bah c'est tranquille, on a un beau club, on essaie de bien tirer, j'ai gagné une balle de golf. Je pensais que c'était un sport de niche. Ouais. C'est un sport de niche, maintenant je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire c'est un sport pour tous hein. Ouais, pour tous, il est ouvert à tous. Je dirais pendant toute l'année, ils sont entourés de béton, etc. Et puis là, en fin de compte, à quelques kilomètres de chez eux, la verdure, la nature, je dirais les bases naturelles de la vie, tout simplement. Et en fin de compte, les vraies valeurs de la vie. Et il n'y a plus de superficiel, ni quoi que ce soit. On est soi-même avec le club et la balle. Ça change, on voit pas que tout le temps des maisons. Là au moins on voit plutôt un grand terrain d'herbe. Et je trouve que c'est super. J'espère que tu vas en revenir demain. Oui, on va revenir demain. Oui.
Il faut que tu t'inscris quand tu arrives à l'école maintenant, ok? Oui. Même à l'école, tu vas jouer au golf une fois par semaine. Je m'inscris. On va mettre le golf à l'école. Malheureusement, la deux chevaux au golf n'existe pas. Donc ce qu'il faut aujourd'hui faire, c'est créer l'espèce de swatch des golfs qui va être beaucoup moins cher, beaucoup moins joli peut-être, plus rustique, plus naturel, moins bien entretenu, mais qui sera un terrain de jeu fabuleux pour les enfants. Parce que les enfants, ils vont pas trop calculer si c'est bien coupé, assez court, ou est-ce que les fleurs sont bien plantées au bon endroit. Eux, du moment qu'ils sont en pleine nature et que le terrain est entretenu par les vaches et les moutons, ça va les amuser encore plus. Très fier. Merci. J'espère. Merci. Bye bye. Et bien joué. Quand je parle de ces jeunes, ils sont riches. Ils sont talentueux. Il faut juste leur laisser s'exprimer. Ça, c'est notre responsabilité. Il ne faut pas leur coincer.